Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite histoire du soir. Aujourd'hui, nous allons lire Caillou chez le dentiste de Joanne Mercier et Tipéo. Ce matin, Caillou va chez le dentiste pour la première fois. « Caillou, viens vite !» crie maman. « Il ne faut pas être en retard !» Caillou ne répond pas. « Où est passé Caillou ?» Maman trouve Caillou dans la salle de bain. « Caillou, tu as déjà brossé tes dents ce matin ?» dit maman en riant. « Est-ce qu'elles sont belles ?»« Oh oui, Caillou, très belles. Allez, viens !» Caillou arrive chez le dentiste et s'installe dans la salle d'attente avec son ours Octave. Caillou entend un drôle de bruit. « Octave, tu vas venir avec moi chez le dentiste. » Une dame s'approche de Caillou en souriant. « Bonjour Caillou, je m'appelle Brigitte. Viens avec moi. Je vais vous montrer à toi et ton ours comment bien se brosser les dents. » Caillou entre dans une petite pièce. Il voit un grand fauteuil en plein milieu avec une lampe juste au-dessus. « Assieds-toi Caillou, » dit Brigitte en faisant monter et descendre la chaise. « Est-ce qu'Octave peut s'asseoir aussi ?» demande Caillou. « Bien sûr !» Caillou s'assoit avec Octave dans le fauteuil du dentiste. Brigitte incline le dossier lentement pour coucher Caillou. Mais Caillou reste assis bien droit. « Allonge-toi, Caillou !» dit Brigitte doucement. « Comme ça, je pourrai mieux voir tes dents. » Brigitte montre à Caillou le miroir qui permet de voir les dents qui sont au fond de la bouche et la brosse à dents qui tourne vite vite. « Ah, c'est ça qui faisait le drôle de bruit !» dit Caillou. « Maintenant, je vais faire briller tes dents comme des petites étoiles !» dit Brigitte. « D'accord !» répond Caillou en regardant si maman est toujours là. Et bien sûr, maman est là, tout près. Brigitte brosse les dents de Caillou. Puis, le dentiste vient les examiner. « Bonjour Caillou, je m'appelle Joseph, je suis le dentiste. » « Oh, tu as vraiment de belles dents. Tu les brosses tous les jours ?»« Deux fois ce matin, » répond fièrement Caillou. Avant de partir, Caillou reçoit une brosse à dents en cadeau. « Tu peux aussi prendre deux surprises, » dit Brigitte. « Deux, » répond Caillou, le nez dans la boîte. Il choisit une loupe et une bague. « La loupe est pour moi. » Mais la bague est pour maman. C'est un grand jour pour Caillou. Aujourd'hui, il a fait sa première visite chez le dentiste. Cette histoire est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations du livre, regarde dans la barre d'infos. Mets un pouce vers le haut et abonne-toi. Merci.